Yahoo dit bonne chose, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire du mois de mars. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc le jour où je filme, on est le jeudi. Toi tu vois la vidéo le lundi, moi je la filme le jeudi avant. Donc forcément je n'ai pas officiellement terminé ma pile à lire et je ne sais pas du tout ce que j'aurais eu la foi de lire, car clairement, alors je suis obligée de censurer moi-même, je voudrais en fait tout te dire sur YouTube, etc. Seulement, j'ai plein de harpies, appelons ça comme ça, plein de harpies qui m'espionnent sur YouTube, des gens de mon entourage, etc., qui m'espionnent, qui en profitent pour ah là là, blablabla, bref, tu connais le truc. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas vraiment dire, je suis obligée de censurer un minimum. Donc en gros, deux personnes que j'aime énormément, qui sont ma famille, sont mortes dimanche pour moi dernier. Et donc forcément, tu vois, le mood y est pas trop. Donc j'ai eu accumulé beaucoup beaucoup de retard. Voilà, donc je vais d'abord te montrer juste à quoi ressemble actuellement la pile à lire. Je vais te montrer, donc ici c'est le tas de ce que je devais lire, donc ça c'est ce qui me reste de ma pile à lire. Donc forcément il y a des trucs que j'ai annulés comme les titres Halloweenesques qui sont ici, Ma vie dans les bois aussi j'avais annulé très rapidement parce que il est très très long à lire. Mais après à partir de Reich qui est en noir et blanc là, ça c'est ce que j'aurais dû lire vraiment pour le mois de mars, mais là franchement c'est, enfin pour le mois de février, mais franchement c'est mort. Donc tout ce qui ne sera pas lu, je vais essayer de m'agouiller pour mettre ça le plus rapidement possible. Reich, c'est pas une priorité pour moi, donc ça attendra. Et après les trois yaoi, ben, y en a, je vais les lire là très rapidement parce que ce soir je vais en lire un, etc. Tu vois, il me reste encore vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc il faut te dire en fait que là, la pile à lire que je vais te présenter, pour moi, ça va partir en fait réellement de vendredi, donc de demain pour moi. Moi ça commence réellement à partir de demain, cette pile à lire, même si c'est censé être la pile à lire du coup du mois de mars. Mais il y aura trois jours, oh là là, trois jours avant. Bref, c'est parti. Donc voici la pile à lire de février, ce qui m'en restait donc à lire. Donc je vais au moins lire sur mon, peut-être pas les trois yaoi là d'ici la fin du mois, mais je vais en lire un demain, ça c'est sûr, et après les autres je vais les déplacer pour le mois de mars, mais ils seront lus. Ensuite ici j'ai placé juste les nouveautés avec les, voilà, principalement les premiers tomes, même si After Echo c'est un one shot. Là j'ai rajouté donc mes derniers achats. Si t'as pas vu ma vidéo achat, je t'invite à aller la voir, c'était la vidéo d'hier. Voilà. Après en fond tu as Mascalinos tout simplement parce qu'il va se terminer bientôt. Donc lui j'ai juste celui-ci tiré parce que le tome 2 sort début mars, donc je le lirai et je ferai une critique tome 1 et pareil ça en fait c'est comme si c'était ici en fait. Mais là c'est juste que j'ai mis mes nouveautés, mes derniers achats. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ça n'a pas beaucoup changé en fait, j'ai juste rajouté par là et ça. Ici, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Sauf que là, comme tu l'as su, si tu as vu la vidéo achat, j'ai eu le troisième tome. Et donc ça, c'est terminé. Donc ça, je vais le lire. Ça, je ne sais pas quand c'est qu'il y a le dernier tome. Et voilà. Donc, comme je te l'ai expliqué, ici déjà, il y a les titres que je veux lire. Vu que les tomes 2 sortent à chaque fois en mars. Donc je te les présente comme il faut pour que tu puisses voir aussi les couvertures. Donc on a les 100 jours avant ta mort des éditions Glénat. Voilà. On a une touche de bleu, toujours de chez Glénat. On a After Echo. On a SPOP, donc What My Space Opera. Des éditions Noévé Graphics. Et on a le manga Love Fragrance. Alors lui par contre je sais plus quand il est sorti, mais lui je le présenterai pour le tome quand le tome 2 sort. Voilà, je vais vérifier ça, je vais faire une petite coupure, je vais vérifier quand même la date de sortie
du tome 2 et je vais organiser avec toi donc mes lectures. Donc j'avais raison de me méfier car le tome 2 sort en avril, donc je ne le lirai pas tout de suite. Donc je vais juste le poser ici en attendant. Donc là, comme je t'ai expliqué, les trois yaoi, je vais les lire. Donc ce que je vais faire, je vais laisser ça là pour que tu puisses bien me voir, c'est juste que je vais en prendre un. Je sais plus en fait, je sais qu'il y en a dans les trois titres, je sais qu'il y en a deux, c'est une suite, mais j'arrive pas à retrouver en regardant les... Si, yeah, j'ai trouvé, c'est ces deux-là, mais alors je sais plus lequel commence en premier. Toujours utile, c'est pas grave, on les remet ici en attendant. Ça, ça va être pour ce week-end. Enfin, week-end et vendredi. Donc, ce que je verrais bien, c'est lire Spé Opéra, Spé OP, là, enfin, Noévé Graphics. Je vais le lire ce soir, on est jeudi. Oui, j'ai même plus rien à lire ce soir. J'ai encore le hentai aussi, je te mets l'image. J'ai un hentai encore à lire et c'est tout. Donc ça, le hentai, je le lirai demain. Ça, je le lis ce soir. Donc ça, ce soir. Et ça, ce week-end, en fait. Ça, ça va me faire mon week-end avec le hentai. Attends, ce soir, on est jeudi. Ah oui, ce soir, on est que jeudi. Jeudi, donc, on va dire samedi. Samedi, dimanche, on va faire léger en ce moment, il n'y a pas de moral. Samedi, dimanche, mais donc il me reste vendredi. Même si j'ai le hentai, je ne vais pas lire un autre yaoi parce que ça fait beaucoup, je pense. Mais, et ben je vais me lire Le Renard et le Tanuki. Voilà, vu que de toute façon, il faut que je fasse la vidéo en début de mois. Voilà, donc ça, c'est pour la fin de semaine. Donc ça, voilà, on va le mettre ça ici, c'est pour la fin de cette semaine. Ensuite, on a beaucoup de séries qui commencent, mais je ne vais pas avoir grand-chose à te présenter dans les séries qui commencent, parce que j'aime bien en ce moment présenter, du coup, on va lire ça. Ça fera 3 tomes, ça fait une journée, on va dire. On va dire que ça, ça fait lundi, mardi. Mardi, j'aurai pas le temps de lire. Donc lundi, mercredi. Lundi, mercredi. C'est un peu compliqué parce que j'ai plus grand chose à lire. Est-ce que je taperai pas là-dedans? J'hésite à me taper dans les titres, tu sais, comment on appelle ça? Ah, comment j'appelle ça? Ma pile à lire standard, ou taper dans les relectures. Mais les relectures, ce que j'ai peur, c'est qu'à chaque fois, j'ai remarqué que les relectures, enfin les titres anciens, alors là, les vues, il n'y a personne. Ce qui est dommage, hein, parce que je trouve ça toujours intéressant de connaître des titres, même qui datent d'un petit moment, pour les lire aussi, parce qu'il n'y a pas que les actualités, que ce qui est sorti en 2019, 2020, 2021, mais bon, c'est comme ça, hein, vous faites comme vous voulez. Ouais, mais ça m'engage dans des trop longues séries, ça m'embête un petit peu. On va faire peut-être le pot. Mais voilà, on va faire le pot. Alors, la dernière fois, j'avais tiré Love Stage, mais sauf que Love Stage en fait il est stoppé, donc j'ai abandonné la série, donc je l'ai directement mis à revendre même. Donc voilà. Oh, il y en a un, il s'est collé à mon petit doigt. Donc lui, Kamakura Diary en 8 tomes. Attends, mince, que tu vois, j'ai écrit très mal, je sais. D'accord. Ou pas, mais voilà. Kamakura Diary en 8 tomes. J'ai les 4 premiers. Impeccable. Alors, Kamakura Diary. Hop là. Ça me fera une semaine, on va dire. Les 8 tomes. Donc, semaine 3. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, le yaoi
Ouais. Voilà. Est-ce que je taperais pas quand même dans ma vie dans les bois? Ça serait bien. Ça serait bien. Heureusement, alors, déjà, heureusement que vous n'avez pas la température, parce qu'ici il fait très froid, donc j'ai déjà le nez qui coule. Et heureusement que vous n'avez pas les odeurs, parce qu'il y a une putain de punaise qui s'est... Là, voilà. Hop, qui s'est crevé les dents. Attends, tu vas tomber. Donc voilà, j'ai l'odeur de la punaise et j'ai froid, donc j'ai le nez qui coule. C'est impeccable. Donc, ça, on a dit que ça faisait une semaine. Donc ça serait la semaine 3, on va dire. Je vais lire ça aussi. Love Beloved, Live Beloved. Je le prononce toujours mal, je pense. Mais toujours est-il. Attends, on va... Ça me gêne. Ah bah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle, hein, monsieur. Voilà. On va faire ça. Ça, je le lirai la semaine du 17. Voilà. Bon, enfin, le, ouais, un petit peu avant. On va mettre Reich. Et ça. Alors, déjà qu'on essaye de voir combien ça fait de volume au total. On en a 1, 2, 3. Donc ça, on a dit, c'était la fin de cette semaine. Ok. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour Kamakura Dairy. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 titres, pardon. 25 titres avec, 25 volumes avec Love Beloved. 25, 26, 27, 28, 29. Donc on peut encore en mettre un peu. 29. Non, on va pas mettre plus. Tout simplement parce que on sera en mars et je vais sûrement, parce que j'ai demandé, là j'ai envoyé le message, je n'ai toujours pas eu de réponse. J'ai demandé à Bruno des éditions Akata pour avoir des titres de Akata, dont Like a Little Star qui est sorti aujourd'hui, Les yeux rivés sur toi qui est sorti aujourd'hui, Asana n'est pas hétéro qui est déjà sorti depuis presque un an. Et j'ai demandé un autre titre, mais je ne sais plus ce que c'est. Et il y a un titre aussi de Akata qui est sorti, qui est terminé en 3 tomes, qui est Or Colorful Day, que je veux m'acheter. Et il y a un one-shot aussi qui m'intéresse. Donc on va rester là et on va juste retirer Rage. Je le lirai si j'arrive à le caser. Le pauvre, ça fait 2 mois, 3 mois que je le repousse. Je le lirai si j'y arrive, si j'ai le temps. Sinon, je préfère le reculer. Et donc, voici ma pile à lire. Donc, il faut juste inclure les mangas des éditions Akata. Si, j'ai les nouveautés aussi de Noeve Graphics. J'aurai pas le temps. Je pense, on va dire honnêtement que ça, c'est ma pile de secours. Honnêtement, on va dire ça que c'est ma pile de secours. Mais je pense que j'aurai pas le temps parce que j'avais oublié que j'ai 3 volumes de Noeve Graphics à recevoir. Et que... voilà, il y a 3 titres de Noeve Graphics. J'ai demandé donc les 2 tomes de Like a Little Star. Désolée, je suis en train de réfléchir en regardant le mur. Like a Little Star, Asana n'est pas hétéro, Les yeux rivés sur toi. Il y a un autre titre, donc ça fait 5 volumes. Or Colorful Day, il y aura 3 tomes, même si je me les garde plus pour avril, mais quand même. Donc ça, ce sera pour après. Je suis désolée. Vraiment désolée. Et il y a aussi les yaoi qui vont sortir en le 15, si je dis pas de bêtises. Donc on va rester sur ça, hein. Donc, petit récapitulatif, ici on a ce que je vais lire d'ici à ce que tu vois la vidéo. Donc, on est jeudi le jour où je filme, donc il y a lui pour ce soir, il y a tout ça pour jusqu'à dimanche inclus, sachant qu'il y a un tag. Après, on a donc les 2 yaoi qui sont du même mangaka, le prix du reste de ma vie, Kamakura Dayori qui est donc en 8 tomes.
Leave Me Loved, Leave Me Left, qui est en 12 tomes. Et après, donc, il y aura les titres des éditions Akata, si j'ai reçois, les titres de Noévé Graphics, et je crois que c'est tout. Voilà. Et donc, si j'ai le temps, ça c'est ma pile de secours.